Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter ma boîte d'embellissement, hein, je parlais français, sur l'automne. Donc c'est toujours hein, le même principe, c'est la boîte de chez Action. Donc j'ai fait une composition avec des fleurs, avec les couleurs de la saison. Et là, j'ai mis un tamponnage de chez Scrap Plaisir sur l'automne. Voilà, donc avec des petits trucs là de chez Action. Des petites fleurs diverses et tout. Donc je vais la remplir avec vous comme j'ai fait avec l'autre. Donc à l'intérieur, là pour l'instant j'ai mis du. Alors j'achète tous ces trucs-là. Vous savez, c'est des décos de. Je vais vous montrer, vous voyez le saladier. C'est des décos de table que je trouve chez Dalbé. Donc je trouvais pour l'automne des petits bouts d'écorce, tout ça. Ça faisait sympa. Donc j'ai mis ça. Voilà. Donc là, dans la première case, je vais mettre. Un petit sachet de feuilles, hein. J'ai une perfo feuilles que j'avais trouvé un coup très sympa. Et du coup, je découpe mes feuilles avec dans du papier d'automne. Voilà. Donc là, on va mettre ça. Là, je mets des petits die cuts d'automne aussi, hein, de chez Scrap Plaisir. Hein. Voilà. Donc ça. Et deux petites décos que j'ai fait sur des. C'est des capsules de Nespresso. Donc j'ai mis un petit napperon derrière, j'ai mis une fleur, des petites feuilles et tout. Alors ne me demandez pas de tuto pour écraser les capsules. Je ne sais pas, on me les a offert. Donc je ne peux pas vous dire du tout, hein. Mais j'ai trouvé que ça faisait original. En plus, la couleur va bien avec l'automne. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà. Donc là, je vais mettre ça. Donc dans l'autre poche, dans l'autre case, là, je vais mettre des die cuts, hein, d'automne. Voilà, velouté de potiron, des fleurs, les autres fleurs, des feuilles, tourbillon de feuilles, voilà. Là, des petits tamponnages que j'ai fait de chez Scrap Plaisir. Donc, il y a automne, été indien, balade automnale, et l'autre, c'est saveur d'automne. Et je vais mettre aussi deux petites fioles comme ceci. Sur les couleurs automnales aussi, hein. Donc là, et des petits puffy renards. Donc il y a des champignons, voilà, des petits renards, petits renards comme ça aussi, je trouvais sympa. Et voilà, deux autres renards et une petite chouette, hein, parce que je trouve que elle a bien les couleurs d'automne, hein, donc je trouve que c'est pas mal. Donc au milieu, je vais mettre encore des die cuts. Donc ça, home, une fleur, ramasser les châtaignes, saison des couleurs, un petit bouquet, alors deux feuilles avec des petites boules comme ça, et deux petites décos que j'ai faites sur des trombones. Voilà, comme ceci. Donc une petite chouette là. Voilà. Dans l'autre case là, je vais mettre tout un assortiment de trucs d'automne. Hein. Donc là, vous avez des feuilles en feutrine avec oui, des feuilles, c'est ça. Là, une feuille en résine hein, assez épaisse. Là, des petites fleurs dans les tons de l'automne. Deux pommes. J'avais déjà fait des cartes, j'avais mis des pommes dessus, c'était sympa. Enfin, une petite déco, c'est sympa. Des feuilles en bois. Là, des petits rondins comme ça, parce que j'en ai mis sur ma couverture. Je ne sais pas si vous voyez, j'en ai mis un là et un là. Donc, je vous en mets quelques-uns dans la boîte. Voilà. Donc, alors, encore une petite chouette. Des feuilles en feutrine. Voilà, des feuilles en bois. Encore une feuille en bois. Et une feuille en. Je sais pas trop en quoi que c'est ça. Je ne sais pas. Voilà. Donc dans ce cas-là, je l'ai réservé à Halloween. Hein. Bon, je ne fais pas de trucs Halloween. Hein. J'aime pas trop. Mais bon, j'ai quand même quelques trucs. Je vous l'avais dit. Hein. Donc là, c'est des petits pour mettre dans des shakers là. Alors il y a des fantômes, il y a des sorcières, des citrouilles. Voilà. Et là, des die cuts aussi sur Halloween. Après, je vais mettre un ruban, un washi dans les tons orangés. Une ficelle marron qui peut être automne et un petit bout de ruban avec des araignées. Voilà, donc là, voilà pour le contenu de la boîte.
Je vais faire comme à l'autre, hein. Je vais saupoudrer avec un petit peu de sequin couleur automnale. Hein. Voilà, je fais pareil. J'aime bien le principe. Après, tout le monde n'aime pas parce que j'ai eu un pouce en bas la dernière. Alors. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Celui qui n'est pas content que ça lui plaît pas, là, il passe son chemin. Voilà. Et je vais mettre aussi des petites demi-perles orange. Orange. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, ben, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Voilà pour ma petite boîte. Donc, je vais vous proposer de la gagner. C'est hors concours, hein, ça ne fait pas partie de mon concours que je vous ai proposé il y a, ben, la semaine dernière, je crois. Donc là, je vais juste vous poser une question. Donc, vous me répondrez en commentaire. Par contre, ben, je ne vous dirai pas si c'est bon ou pas, parce que si je dis bon, Alain, tout le monde va savoir que c'est la réponse. Ou alors, vous me l'envoyez par mail, c'est comme vous voulez. Je voudrais que vous me disiez combien que je vous ai montré d'ATC depuis le début de ma chaîne. Donc, celle qui aura la bonne réponse, enfin, celle au pluriel, qui auront la bonne réponse, je ferai un tirage au sort pour vous gagner ma petite boîte d'automne. Donc, je redis la question. Combien ai-je montré d'ATC depuis le début de ma chaîne? Je vous avoue, il y a un piège. Donc, voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Et puis, je vous dis, si vous voulez essayer de la gagner, hein, bah, écoutez, vous répondez à ma question. Et puis, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Hein, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et vous dire à une prochaine. Au revoir.